Vous vous asseyez souvent sur la place du côté, et ce n'est pas ce que vous voulez. Ou bien au premier rang, pas l'idéal. Vous êtes toujours le dernier à entrer dans la salle. Grâce à ma méthode reconnue mondialement dans mon quartier, je vais vous donner les clés pour avoir la place du milieu. Voir un film, ça se prévoit. Quel film vous voulez voir? À quelle heure est la séance? Des questions auxquelles vous devez répondre en avance pour pas attendre comme un idiot devant le guichet ou devant la caisse. Parce qu'après avoir travaillé un an et demi au cinéma, j'en ai entendu des perles. La technologie, ouais. Et bah, vous me saoulez, hein? J'essaie de prendre des places au bord, ça marche pas. Et vous voulez aller voir quoi comme film? Qu'est-ce que je voulais voir déjà? Alors avant de faire ton scandale, renseigne-toi un minimum. On vous le dit jamais ça. Mais on y pense très fort. La file d'attente. Autant vous le dire tout de suite, la place du milieu, vous êtes pas le seul à vouloir l'obtenir. Vous avez d'autres cinéphiles, psychopathes, tocards, qui, comme vous, veut avoir accès au Graal. Alors venez en avance, putain! Ah, je m'énerve, là! Je ne veux pas vous entendre dire. C'était à quelle heure, ma séance, déjà? Ou bien... je cherche mon ticket. Est-ce que vous pouvez vite valider ma séance, parce qu'elle va bientôt commencer. Vite, s'il vous plaît. Le ticket, putain. Parce que des situations comme celle-ci annoncera pour vous la fin du game. Une fois dans la salle, c'est l'heure de vérité. Sens de l'analyse, réactivité, dextérité seront les maîtres mots, la famille. Plusieurs situations se trouveront face à vous. Vous êtes parmi les premiers. Le plus facile, car il faut profiter de la confusion des groupes, où vous avez toujours le leader, je sais où est-ce qu'on va s'asseoir les gars, et les suiveurs. Oh oui, guide-nous sur la meilleure place. Dès que vous sentez la moindre tergiversation... Ça sort là, si, je te jure. Si, écoute, j'ai l'expérience. Faufilez-vous dans le groupe, mais bim! Vous prenez la place du milieu. Vous pourrez ainsi vous targuer de dire... Vous continuez toujours de discuter? Allez-y, moi j'ai ma place. Des gens se sont déjà installés. À cet instant, vous avez un allié de taille. La proxémie. Désignant les distances sociales pratiquées par l'homme selon les contextes sociaux, pour la faire rapide, il y a la distance publique, sociale, personnelle et intime, comme dans le bus, dans l'ascenseur, dans le métro, au cinéma généralement, entre deux groupes d'individus, on se laisse toujours une place de distance. Demandez si la place est prise, non? Et bim, vous êtes assis! Cette option est surtout efficace quand on est seul. Très souvent dans les salles de cinéma, pour séparer les groupes, les individus mettent leurs vestes sur les sièges. Et si vous hésitez à demander à ce qu'on les enlève pour vous asseoir, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur à vos yeux? Vous? Ou des vestes? Voilà! Vous avez toutes les clés en main pour avoir la place du milieu. Je suis fier de vous. Le mieux, c'est de se fournir à la source. Vous prenez la place du milieu dans la salle et vous l'embarquez chez vous. Parce que l'on sait très bien entre nous que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!